Alors, en réponse au défi bushcraft de Julien, eh ben, je vais faire donc des feather sticks et l'allumer avec un fire steel. Alors, ben, comme fire steel, j'ai. Oups, je mélange les doigts. J'ai ça, c'est un fire steel de chez Walmart. On va voir ce que ça donne. Alors, comme couteau, bah, j'ai ça, c'est le Alaskan Bill par Stram & Forge. Merci à lui et puis merci beaucoup encore à Mimi et Nico. C'est eux qui m'ont fait ce petit cadeau. Et puis, comme bois, eh ben, j'ai ça, c'est du chêne de Virginie. C'est l'arbre que vous voyez au-dessus de moi. Donc là, j'ai coupé un petit bout de branche qui nous embêtait et puis je vais en profiter pour essayer de faire du feu avec ça. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur bois qui soit adapté à des feather sticks et un fire steel, mais bon, comme c'est ce que j'ai, et ben c'est avec ça que je vais faire. Alors évidemment en plein soleil c'est pas génial, mais je pense que vous voyez quand même les flammes.
sur un fond noir. Voilà. Allez, on va éteindre tout ça. On va pas mettre le feu à la pelouse. Bon ben voilà, ça c'est fait. Le défi de Julien, allumer des feather sticks qu'on fait avec un fire steel. C'est sympa d'avoir lancé un petit défi comme ça, qui est accessible à tout le monde. Il suffit de pratiquer comme pour le reste. Les feather sticks, c'est pas quelque chose qu'on arrive à maîtriser dès le départ. Ça demande de la pratique. Et bon, par contre, pour faire vraiment un feu, effectivement, j'aurais préparé beaucoup plus que ça. J'aurais préparé des feather sticks plus gros, j'aurais préparé du petit bois, etc., etc., pour être sûr, surtout dans des conditions qui sont pas bonnes, d'arriver à faire mon feu. Mais voilà, ça c'est fait. Merci encore à toi, Julien. À tout le monde, je vous dis, pratiquez, faites-nous des vidéos, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et ciao.